Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir aussi. Que Dieu soit béni. Merci au groupe de louanges. J'ai cru qu'ils allaient me voler mon message. Non, ça ferait de la répétition, ça ne fait rien, c'est bon la répétition. On est pas consulté. Là. Comment On ne s'est pas consulté. Ah, non, on ne s'est pas consulté. Et ce qui montre bien que Dieu aime vous parler. Il aime aussi quand on l'écoute, ça c'est sûr. Et ce matin, j'aimerais vous lire une histoire. C'est dans l'évangile de Luc. C'est une histoire bien connue. Euh, oui, c'est une histoire bien connue. Euh, voilà. Si vous avez l'évangile avec vous, je vous invite à l'ouvrir dans Luc 15. Luc 15. Alors, Jésus dit encore, au verset 11 Il y avait un homme qui avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, et c'est important, il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souillés aux pieds. Amenez le vos gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique les danses et la plainte de ses serviteurs, lui dit, euh, mais qu'est-ce que c'est Le serviteur lui dit, mais ton frère est de retour, ton père a tué le beau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui arrive, celui qui a mangé tant bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors voilà, c'est une histoire bien sûr que, qui est bien connue, l'histoire de ce fils prodigue. Alors, le plus jeune de ses fils, eh bien, il savait bien sûr ce qu'il voulait, il connaissait ses droits, mais ne savait pas très bien les faire fructifier. Il n'était pas prévoyant du tout, il fonçait dans la vie sans réfléchir, euh, il pensait juste à faire la fête. Ses dépenses sont beaucoup plus importantes que ses revenus. Sa situation économique et sociale était magnifique, hein, mais elle se dégrade jusqu'au point où il devient gardien de pourceaux. Pour un juif, quand même, c'était pas, c'était pas formidable. Hein. Et puis il avait fait la belle vie, et tout de coup le voici gardien de pourceaux. C'est dire qu'il mange moins bien que les animaux. Vous il mange moins bien que les animaux. Personne n'avait pitié de lui, seul au monde. Il n'avait pas de service social pour le soutenir. Il n'avait pas d'assurance. Il n'avait jamais cotisé arrière. Donc, il était vraiment mal parti. Et là, au milieu de sa détresse, tout d'un coup, il se met à penser, quand même, à la maison. J'étais bien. Et puis, ceux qui travaillent pour mon père, ils ne sont quand même pas dans cet état. Alors, être entré en soi-même, ça peut sembler négatif, mais vous savez, ça peut être très profitable. Quand on construit une maison, on n'arrive pas, puis on pose les, les plots ou on pose le béton simplement sur, sur le terrain tel quel sans s'occuper de son état. Oh, il y en a peut-être qui font comme ça. Mais si on fait comme ça, ça ne va pas bien. Alors, quand on construit une maison, on déblaye un peu le terrain. On regarde les choses en face. On enlève les buissons. Enfin, on fait quelque chose de bien. Voilà, ça, ça correspond un petit peu, quand on enlève tout ce chenille, euh, ça correspond un petit peu au fait de regarder les choses comme elles sont, de faire un état des lieux. Et des fois, vous savez... On a besoin de faire un état des lieux en regardant notre propre cœur. Alors, certains veulent s'approcher de Dieu en disant tout le bien qu'ils ont fait. Et puis d'autres veulent s'approcher de Dieu en disant à Dieu tout le mal qu'ils n'ont pas fait. Mais ces deux façons de s'approcher de Dieu ne sont pas bonnes. Elles conduisent à rien du tout. Vous savez, Jésus nous raconte qu'il y avait une fois deux hommes qui étaient dans le temple. Alors, il y avait un pharisien qui priait euh, et qui disait Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. un peu gonflé quand même. Hein. Et puis, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou, ou, ou même comme ce publicain qui est là à côté. Je jeûne deux fois par semaine. Je dois vous dire que je ne pourrais pas en dire autant. Hein. « Deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que j'ai, euh, de tous mes revenus. » En apparence, c'était quand même un homme bien. Hein. Et le publicain hein, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu !» Sois apaisé envers moi, pécheur. Puis Jésus dit Le publicain descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous savez, ces deux ces deux courants de pensée existent au milieu des croyants. Il y a certains qui sont très contents d'eux-mêmes très autosatisfaits et d'autres eh bien qui sont reconnaissants à dieu pour la grâce qu'ils ont héritée depuis qu'ils croient en jésus alors chacun peut un petit peu se caser mais nous revenons au fils prodigue voilà alors il avait quitté la maison il avait réclamé ses droits maintenant il est conscient de son état de dépouillement il est devenu un homme affamé. Alors on peut être affamé de, de toutes sortes. On peut avoir, être affamé de paix, on peut être affamé d'amour, on peut être affamé de vérité, de justice, de pardon, d'espérance, de guérison, d'être aimé. On peut être comme le Fils prodigue et revenir. Il est revenu au Père. Au départ, c'était était plein d'assurance et il était plein de lui-même. Maintenant, il est conscient d'être dépendant, d'être dans le besoin d'un renouveau de son Père. Et il dit Voilà, j'irai vers mon Père, je lui dirai J'ai péché. Quand quelqu'un n'est pas content, souvent il parle des péchés d'autrui. Quand quelqu'un est dans une mauvaise situation, il parle de tous ceux qui sont responsables de, de l'avoir maltraité. Mais lui, il, est, voilà, il, il ose parler de ses péchés. Il dit, voilà, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'accuse personne. Je ne suis plus digne. Avant même qu'il ait eu le temps de dire ça, on voit que le Père se précipite à sa rencontre. Il est rempli de compassion à l'égard de ce Fils qui est revenu et il se jette à son cou et il l'embrasse pour lui montrer à quel point il l'aime. Et ça, c'est une belle image de l'amour de Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qu'il n'aurait pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a eu beaucoup de joie dans le ciel quand cet homme est revenu au Seigneur. Mais si cet homme n'était pas rentré en lui-même, il ne serait pas retourné chez son Père, il n'aurait pas fait l'expérience de l'amour infini du Père. S'il n'était pas rentré en lui-même, il n'aurait pas fait l'expérience de l'amour infini du Père. Faire l'expérience de l'amour infini de notre Dieu, frères et sœurs, c'est quelque chose de très profond. Il serait resté dans la misère, peut-être dans les larmes qui n'auraient servi à rien, mais le Fils prodigue est rentré à lui-même et il a pris la décision d'aller chez son Père. Quand un homme se repent de s'être détourné de Dieu pour faire sa propre volonté, il découvre auprès de Dieu, manifestant en Jésus, il découvre le pardon, il découvre la paix, il découvre la joie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas si elles sont pardonnées. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la paix au fond du cœur, n'ont pas la joie, n'ont pas de contentement, n'ont pas d'espérance, n'ont pas ne connaissent pas la présence de l'amour de Dieu. Et pourtant, ce sont toutes des choses ouvertes à tout un chacun qui veut se tourner résolument de tout son cœur vers le Seigneur. Et quand il arrive vers le Père, c'est quelque chose de magnifique. Le Père ne se limite pas au pardon, ce serait déjà pas mal. Il ne reçoit pas seulement chaleureusement, ce serait bien. Il ne l'habille pas avec des choses d'occasion. Autant les occasions, c'est pas toujours si mal que ça, moi. Il est d'occasion, celui-là. Hein. Même mon pantalon, il est d'occasion. Mais ça fait rien. Mais ici, quand le père arrive, eh bien, il lui dit prenez la plus belle robe. Celui qui revient, le père lui donne la plus belle robe robe apportez vite la plus belle robe à l'époque même les messieurs portaient une robe aujourd'hui eh bien les dames et les messieurs portent des pantalons le décor a changé mais la joie du seigneur reste la même amen la joie du seigneur reste la même gloire à dieu mettez lui un anneau au doigt il ne lui dit pas dans un an, si tu te conduis bien, je te donnerai un anneau comme récompense. Mais tout de suite, il lui met un anneau au doigt. Cet anneau n'est pas une récompense, mais cet anneau, c'est une garantie de la présence du donateur. C'est quelque chose d'extraordinaire avec Dieu quand on se tourne vers lui de tout notre cœur. Il n'est pas celui qui nous donne quelque chose à condition qu'on le mérite, mais il nous dit que sa présence sera avec nous tous les jours. Garantie de la présence du donateur. Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. C'est vrai pour une série de gens que je vais vous citer, mais c'est vrai pour tout croyant. C'était même vrai pour Étienne quand il était lapidé parce que la présence de Dieu c'est pas quelque chose de je sais pas d'éthérique c'est une réalité quand pierre a été lapidé qu'est-ce qu'il a vu au milieu de cette séance il a vu le ciel s'ouvrir c'était quelque chose d'extraordinaire vous figurez vous voyez le ciel s'ouvrir et Jésus assis à la droite de Dieu c'était vrai aussi pour c'était vrai dans l'Ancien Testament, par exemple, pour Joseph. Joseph nous a dit que l'Éternel était avec lui. Il a passé au travers de beaucoup de tentations, Joseph. Mais l'Éternel était avec lui. Ça veut dire que l'Éternel est avec nous, même quand nous sommes dans la persécution. Il est avec nous, même quand nous sommes dans la tentation. C'est vrai pour David qui a été très malade, très malade et aussi convaincu de péché. Mais l'Éternel était avec lui. Il ne l'a pas convaincu de péché pour le détruire, mais il l'a convaincu de pécher pour l'amener à la repentance. David a fait l'expérience, après avoir péché, après avoir été convaincu par la présence du Seigneur qui était là, d'une pleine restauration de la part de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Il n'est pas le Dieu qui, même quand il nous parle des choses qu'il faut mettre en ordre, il n'est pas le Dieu qui nous pointe du doigt pour nous accuser, mais il est le Dieu qui nous accueille vers lui pour nous libérer. La présence de Dieu est quelque chose, vous savez, qui est, qui est quand même très fort. Quand Pierre a renié le Seigneur, un peu après, il l'a retrouvé. Le Seigneur ne lui a pas dit eh, Pierre, je t'avais donné une mission, tu m'as renié, eh bien, écoute, il faudra un peu attendre, il faudra te mettre en quarantaine maintenant. Non, il ne l'a pas mis en quarantaine. Tout de suite, il lui a dit Paix mes agneaux, paie mes brebis. Il a vu que Pierre était vraiment revenu dans de bonnes dispositions. Ensuite, il nous a dit qu'il lui a mis des souliers aux pieds. On revient à notre homme euh, euh, qui est revenu à son père. Et puis, alors, il lui a mis des souliers aux pieds. Ah, pour marcher avec le Seigneur, on a besoin des chaussures du Seigneur. Si quelqu'un va à l'armée, il ne va pas marcher pieds nus à l'armée. Il ne va pas marcher dans des flip-flops. Il ne va pas marcher dans des mocassins. Il aura des chaussures qui conviennent à son état. Il est un soldat, il reçoit des chaussures où il pourra marcher confortablement dans toutes les situations, des chaussures qui sont solides, qui sont confortables et qui vont lui permettre de marcher dans toutes sortes de terrains. Nous, on a aussi des terrains spirituels quand nous voulons suivre le Seigneur. Peut-être qu'un jour, euh, vous aurez besoin d'être équipé de chaussures pour marcher sur le terrain d'un serviteur. Le serviteur, le terrain peut-être d'un pionnier, le terrain d'un écrivain, pourquoi pas, euh, de quelqu'un qui travaille dans les médias. Vous ne savez pas à quoi le Seigneur peut vous appeler. Mais le Seigneur, c'est une chose qui est certaine, il est celui qui nous équipe, qui nous donne... Ce dont nous avons besoin pour le servir. Dans le temps, on a vu que Moïse avait peur de voilà, s'aventurer que le Seigneur, mais le Seigneur l'a équipé. Gédéon, il avait peur, mais le Seigneur l'a équipé. Quand Dieu nous appelle à vivre une vie nouvelle avec lui, le Seigneur est celui qui nous équipe. Il ne s'attend pas que nous vivions la vie chrétienne avec nos propres forces, mais le Seigneur nous équipe. Avec ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous avons besoin de nous tenir près de lui. Parce qu'auprès de lui, le Seigneur sait nous communiquer, il est capable de nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. Ça peut arriver que nous soyons appelés un jour à, à passer par la persécution, ce n'est pas, pas forcément toujours pour les autres, ça peut arriver. Mais le Seigneur, dans ces moments-là, sait aussi nous équiper pour affronter ce que nous pouvons avoir à affronter en tant que chrétiens. Notre Dieu est un Dieu vivant. Et puis ensuite, il n'y a pas seulement donné un anneau, il n'y a pas seulement donné des chaussures, il n'y a pas seulement donné des vêtements. Il nous a dit qu'il a amené le veau gras. Peut-être que le fils aîné se disait, mais c'est peut-être pour moi le veau gras, parce que quand même, j'ai bien travaillé. Et puis, euh, voilà que le papa n'a pas réservé la fête, peut-être, de l'aîné, mais il tue le veau pour ce garçon qui était devenu un vaurien. Eh bien, c est, c est, ça renverse les, les, la conception. Et pas, le, le fils qui était venu comme ça, il aurait peut-être dû se cacher un peu. Et puis que le fils qui était resté à la maison, être vraiment bien honoré en recevant la fête, les amis et les vaugras. Mais non. Alors, on, est, on allait faire la fête. Quel soulagement quand quelqu'un de perdu est retrouvé. Vous savez, une fois j'étais à Londres, et puis je m'étais précipité pour aller voir un avion, et puis j'avais oublié où j'avais posé ma voiture. Et c'était dans un immense parking. Et je croyais que euh, quelqu'un me l'avait peut-être piqué. <laughs> Alors, ce n'était pas confortable. Alors, quand même, j'ai continué de réfléchir. De Et après tout, d'un coup, oui, ça m'est revenu où il fallait aller chercher. Enfin, j'étais avec ma femme. Et puis, euh, vous savez, c'était au début quand les gros jets étaient sortis. Parce que peut-être que vous n'avez pas connu ces débuts-là, mais on les ai connus. Alors je voulais aller voir cet avion, quand même. Et puis, euh, mais quand on a, alors c'est une chose, ça. Mais quand on perd quelqu'un, vous savez, vous êtes avec des enfants, peut-être dans des rues très populeuses, tout d'un coup vous perdez votre enfant. Vous ne savez pas où il est. Mais vous êtes angoissé, vous le recherchez partout. Et maintenant, ce père, il avait perdu son enfant. Et quand l'enfant est revenu, ce qui montre que le Père était resté aux aguets de son retour, c'est comme pour nous dire que Dieu est aux aguets, il est prêt à nous accueillir quand nous sommes prêts, nous, à retourner vers lui. Et quand le, 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 il n'a pas dû venir frapper à la porte, le, le Père l'avait repéré à distance. Et notre Dieu est aussi un Dieu qui nous voit à distance, il nous voit nos besoins. Et ce Dieu-là, eh bien, il, a, il, est, il est venu et quel soulagement ça a été. Et c'est pour ça qu'il a fait la fête. Et c'est pour ça qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui, a, qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin, entre guillemets, mais qui n'ont pas besoin de repentance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, quand on revient au Seigneur, eh bien, Jésus parle, en fait, en fait ce, ce, ce garçon qui est, qui est revenu, il a passé comme par une nouvelle naissance. Ah, qu'est-ce que c'est pour du Chinois ça Eh bien, une nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas simplement une conception du ciboulot, mais c'est une conception... C'est quelque chose qui se passe là au fond de votre cœur. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'imagination. C'est un Dieu réel. Quand j'ai entendu l'Évangile, vous savez, bon, quand j'ai écouté, j'ai suivi. Mais à un moment donné, j'avais recherché le Seigneur. Je passe par les détails. Mais à un moment donné, vous savez où je. Enfin. Attention, ce n'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas aller dans les réunions, parce que j'allais très régulièrement dans les réunions. Mais Dieu peut nous trouver dans des endroits les plus insolites possibles. Moi, j'étais en train de traire une vache, parce que je suis, je suis un fils de fermier. Et je pense, tout en faisant mon boulot à la ferme, je pensais toujours, mais j'aimerais tellement recevoir la certitude du pardon de mon péché. Et en entraînant ma vache, j'ai pensé. Et puis, tout d'un coup, c'est comme, je sais pas. J'ai rien avec mes yeux, j'ai rien entendu que mes oreilles, mais c'est intérieurement que ça s'est passé. C'est comme si le Seigneur m'avait dit, mais c'est parce que tu es sale comme tu es, ça n'avait rien à voir avec mes salopettes. C'est parce que tu es sale comme tu es que je suis mort pour toi à la croix. Ah, mais ça, ça a été quelque chose. Ça, ça a été quelque chose. Ah, le soir, j'allais dans une réunion, puis j'ai posé la question à ceux qui étaient là. Je leur ai dit, mais c'est ça, se convertir Bien. Enfin, J'étais né de nouveau. tu oh, t'es loin d'être parfait, hein. Mais je, je, suis, je suis né de nouveau. Ça nous rend, vous savez, ça nous rend sensible à la présence de Dieu, ça nous rend sensible à la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas dire que c'est arrivé tout de suite. Mais je peux vous dire que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, pour moi, ce n'est pas un livre. Pour moi, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Il y a au moins 70 ans que je la lis et je suis toujours... Ce n'est pas venu du pain sec, hein. c'est une nourriture, c'est du pain frais. Ça me fait du bien de lire la parole. C'est sûr qu'il y a des jours que euh, c'est moins facile, mais dans l'ensemble, c'est une telle richesse. Et je ne peux pas assez dire à tous mes frères et sœurs, prenez du temps pour lire la Bible. Ne la lisez pas jusqu'à quand vous allez dormir, vous êtes bien trop fatigué, vous endormez dessus. Mais prenez du temps plutôt le matin, peut-être pour vous réveiller un peu plus vite. Les habitudes, ça se prend, vous savez bien ça. Pour, pour, pour démarrer, ça peut être un peu difficile. Mais une fois qu'on a pris le pied, une fois qu'on a pris l'habitude, ce n'est plus un problème. Et puis. Mais c'est une bonne chose que la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Alors euh, cette nouvelle naissance à laquelle on entre dans le royaume de Dieu, elle nous rend sensibles à cette paix, à cette joie, à cette justice par le Saint Esprit. C'est vraiment quelque chose qu'on vit avec Dieu. C'est pas quelque chose qu'on dit oui, c'est écrit là, c'est intéressant. Non, c'est quelque chose. Que l'on vit avec Dieu, frères et sœurs. La Pentecôte, c'était pas quelque chose que nous avons entendu parler, c'était réel. Et vous savez, la, la vie change, elle devient concentrée sur Jésus. Non pas parce qu'il faut mais pas c'est une découverte et qu'on est content de le trouver. C'est pas par l'égalisme, mais c'est volontairement par amour. La nouvelle naissance peut susciter des conflits. Ah oui, oui, oui. Quand, vous savez, il n'était pas content sur Abel, il l'a même, même tué. Hein. Et quand Jésus était là, mais Jésus, il, il a eu des conflits, quand il, a choisi, quand il a chassé les vendeurs du temple, qui étaient très religieux, attention, ils étaient dans le temple quand même, hein. il les a chassés du temple, et il, était, il était quand même un peu en colère. Là, hein. ça, ça y arrivait des fois. Et puis, mais quand même, il était en conflit avec une certaine euh, façon de, de voir. Mais tout au travers de la Bible, on trouve ces deux lignées. Ceux qui obéissent à Dieu parce qu'ils pensent qu'il faut mériter, et ceux qui obéissent à Dieu, parce qu'ils ont trouvé en lui la grâce d'une nouvelle vie. Jésus est le prince de la paix. Il était pourtant, bien sûr, comme on l'a vu, souvent en conflit. Jésus a amené une fois, vous connaissez l'histoire, une femme en flagrant délit d'adultère. Alors les religieux disaient, mais Moïse nous a dit qu'il faut la lapider. Alors toi, qu'est-ce que tu dis alors Jésus très sagement répondu bien Celui qui est sans péché, alors qu'il qu lance la première pierre, silence. Alors tous sont partis, en commençant par les plus vieux. Mais au fond, ils auraient pu faire autrement. Ils auraient pu s'humilier devant le Seigneur plutôt que de partir quand ils avaient une mauvaise conscience. Ils auraient pu dire oui, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Eh bien, nous aussi, on vient à toi comme on est. Ils ne l'ont pas fait, ils sont partis. Ils ont été jusqu'à Jésus, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais la femme, elle, c'est la seule qui n'est pas partie. Alors le Seigneur Jésus lui a posé la question Et toi, il n'y a personne qui te condamne Elle a dit non. Alors moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Quelle chose différente. Hein. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce sont deux approches complètement différentes. On peut aller au Seigneur Jésus. On peut, on peut aller vers lui en lui parlant du péché des autres. On peut aller vers lui en lui ouvrant notre cœur. Il y a une façon légale qui conduit à la mort. Et il y a la grâce qui conduit à la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce qui ne condamne pas, mais qui libère. Et depuis plus de 20 siècles, plus de 20 siècles, eh bien, cette grâce, elle a transformé des millions de personnes de toute langue, de toute culture, de toute race, de toute période de l'histoire. Le diable déteste la grâce parce que ça lui enlève son arme de mort, où il aime utiliser la loi qui est bonne, mais à cause de notre péché, voilà, elle, elle, voilà, elle, elle, elle nous tue. Et alors. Ou bien alors le diable altère la grâce et conduit dans la permissivité. Mais le Seigneur délivre. Le Fils prodigue n'a pas seulement demandé de l'aide, mais il a changé de voie, il a changé de maître, il est revenu à la maison et a reçu la force de vivre selon l'état d'esprit de la maison. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En se tournant vers le Père, il fait l'expérience d'une nouvelle naissance. Dieu manifestant Jésus a fait la grâce de naître de nouveau, de naître à la vie de Dieu. Vous savez, quand on est à la vie de Dieu, c'est quand même l'entrée dans un monde nouveau, une façon différente de voir la vie, une façon différente de voir la mort, une façon différente de voir le travail, une façon différente de voir l'argent et d'en gagner, une façon différente de voir Dieu, une façon différente de voir l'Église, une façon différente de voir le monde, une façon différente de voir... C'est tout qui change à partir du moment où nous rentrons dans le royaume de Dieu. Ça ne change pas tout à la fois. Vous savez, quand vous entrez dans une maison, vous franchissez la porte, vous entrez dans la maison, mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a dans la maison. Ça va vous prendre un peu de temps pour explorer. Avec le Seigneur, eh bien, quand on entre, on, on, on voit les premières choses, puis après on continue de voir beaucoup d'autres choses, et on continue. Et vous savez, ça fait maintenant 70 ans que je connais le Seigneur eh, comme mon sauveur, comme mon Seigneur, et j'ai beaucoup appris, puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est ça qui est merveilleux que le Seigneur ne peut pas dire, ah, tiens, maintenant on arrive au bout. Non, on n'arrive pas au bout avec lui. Parce qu'il y a quelque chose d'infini dans le Seigneur. Alors, ça ne nous arrache pas de la terre. La souffrance, la solitude, la maladie, la pauvreté, le, le, les souffrances du veuvage, de la persécution, des séparations toutes sortes peuvent encore nous arriver aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. Parce que nous ne sommes pas encore dans la plénitude du royaume de Dieu. Tout ça, ça peut nous arriver. Mais quand ça nous arrive, frères et sœurs, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec celui qui a promis d'être avec nous. Mais vous savez, cette espérance est quelque chose qui peu à peu peut s'endormir en nous. Et pour que ça ne s'endorme pas, mais j'ai besoin de faire un retour sur moi-même, comme, comme le Fils prodigue, dire Seigneur, mais je suis devenu un habitué de l'Évangile, je suis devenu un habitué de, de l'Église, je suis devenu un habitué de chanter des cantiques, je suis devenu un habitué de faire des prières. Et tout ça, ça peut devenir de la religiosité si je n'y fais pas attention. Mais à partir du moment où je suis attentif, je dis Seigneur, je ne veux pas être un habitué de ta présence, quelqu'un qui dit, voilà, qui fait ça par routine. Seigneur, je veux que ta présence soit quelque chose de vivant dans mon âme. Ah, j'ai dû dire ça plusieurs fois dans ma vie au Seigneur. Mais le Seigneur l'a entendu. Et Dieu nous accompagne. Les perspectives de son royaume, son règne de paix, sa joie et sa justice par le Saint-Esprit nous encouragent et nous fortifient et par l'esprit, on y goûte toujours. Vous savez, la prière, la lecture de la Bible, la communion fraternelle, ce sont des moyens, pas les moyens exclusifs, mais ce sont des moyens par lesquels Dieu nous encourage, nous nourrit. Maintenant, si je pense que quand je lis la Bible, ça devrait toujours être fantastique. Quand je prie, ça devrait toujours être merveilleux. Quand je suis à l'église, je devrais seulement rencontrer des gens magnifiques. Si on le voit comme ça, je vais avoir des, je vais avoir des déceptions parce que ce n'est pas comme ça. Il y a des moments où c'est difficile de prier. Il y a des moments où c'est difficile de lire la Bible. Il y a des moments où c'est difficile d'aller à l'église parce que c'est humain. Il y a tout un aspect humain qui est là. Parce que l'Église, ce n'est pas un rassemblement de gens parfaits, c'est un rassemblement de gens justifiés par la grâce de Dieu, mais les gens ne sont pas parfaits. Alors, euh, et puis je peux bien sûr tomber dans la critique, et puis, et puis, et puis ça m'empoisonne la vie. Mais, vous savez, quand on, est, quand on, on passe par des déceptions, c'est vrai, mais vous savez que Dieu se sert des déceptions. Pour nous forger. Vous êtes déjà rentré dans un endroit où on forge du fer. Je me souviens que j'étais gosse, il y avait un maréchal ferrant qui était à côté de l'école, et puis des fois j'allais. Eh, quand même, le fer, on doit le rougir, on doit le tremper, on doit taper dessus avec un marteau. <laughs> le Seigneur doit aussi nous forger, des fois. On n'est pas, pas du beurre. Hein. On peut être dur, mais le Seigneur est un bon Seigneur. Et Quand il nous forge, c'est pas pour nous fracasser, c'est pour nous former. Son amour est quand même toujours là. Ça n'ira jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Vous savez, euh, si, euh, si, si vous prenez si vous prenez la vie de Jacob. Je ne vais pas vous lire et vous raconter l'histoire d'Avid Jacob ce matin, ce serait, ce serait trop long. Mais je peux vous dire, c'était un cas. Hein <laughs> oh, mais Jacob, c'est un des patriarches, mais comment ça Eh bien, lisez son histoire et vous verrez que c'était un cas. Mais quand même quand il est mort, il n'est pas mort euh, sans espérance. Peut-être qu'il était, oui, était devenu âgé, bien sûr. Il était appuyé sur son bâton. Il avait un bâton. Hein, quand on est âgé, des fois, on a besoin d'une canne, on a besoin de bâton. Il était appuyé sur son bâton et il était devenu un adorateur. Dans ma propre expérience, frères et sœurs, je suis devenu beaucoup plus un adorateur depuis... Moi, je peux comme le dire, je suis vieux. Hein, depuis que je suis vieux, que quand j'étais jeune. Mais merci au Seigneur. Je suis heureux d'être au Seigneur. Et seulement pour en revenir à Jacob que je viens de citer, Jacob, malgré toutes ses péripéties, depuis son, sa tendre enfance, il était quelqu'un qui avait soif de Dieu. Quand on a soif de Dieu, je ne veux pas dire qu'on est parfait, mais quand même, on a soif de Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui ont soif de lui, même s'il doit nous forger. Mais Dieu se laisse trouver. Alors, euh, ici, dans, dans notre monde, vous savez, il y a une évolution. L'essentiel, c'est de rester fidèlement attaché au Seigneur, de veiller à notre relation avec lui. Vous savez, nous sommes tous atteints par un mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, c'est de toujours retomber dans nos idées, nos pensées, vouloir faire ce qu'on veut. Et se passer de Dieu si on peut. Ce penchant, il est dans notre chair, il est dans nos gènes qui ne s'en gênent pas. Mais il euh, y, y a ce penchant qui est là. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, prends garde à toi-même. Il ne faut pas seulement prendre garde aux voitures qui pourraient nous écraser. Il faut prendre garde à soi-même. Oh, mais quand même, moi je suis un brave homme. <laughs> tu crois Non, on n'est pas des braves. Gens. Nous sommes des gens au bénéfice de la grâce de Dieu et nous en avons besoin tous les jours. Même quand on pense qu'on n'en a pas besoin. C'est peut-être à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Mais nous avons, nous avons un attachement au Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous aide à aimer notre prochain comme il est. Il nous aide à prendre conscience de nos propres lacunes et de l'immense grâce du Seigneur à notre égard. En rentrant en lui-même, le prodigue n'a pas seulement vu ses fautes, il a fait l'expérience de la découverte continue de l'amour du Père. On parle beaucoup de formation continue aujourd'hui, hein. mais il n'y a pas seulement la formation continue. Là, il y a la marche continue avec Dieu. Il y a la découverte continue de qui Dieu est. Et ça, ça c'est l'expérience si on s'approche si du Seigneur. Hein. Euh, euh, dans le Seigneur, il est aussi découvert de Dieu de façon continue. Euh, vous savez, Ephésiens 1, 11 nous parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Et puis, dans Ephésiens 2, 7, il nous est parlé de l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. l'infini richesse de sa grâce par sa bonté. Il y a quelque chose d'infini en Dieu. Infini. C'est infini. C'est-à-dire que je peux passer des millions d'années avec le Seigneur. Je n'en serai pas fatigué. Non, je ne jamais dire maintenant, voilà, ben, j'arrive au bout, je vais faire demi-tour. Non, c'est infini, infini, infini. Et plus on s'approche du Seigneur, plus on se rend compte qu'il est vraiment infini. Et je ne vais pas vous le lire parce que le temps passe, mais je, je vous invite à, à lire le psaume 103 où David exprime aussi tout cela. C'est quelque chose de magnifique, le psaume 103. Alors, L'infinie richesse sacrée, c'est ce que le euh, comment est-ce que je dirais le fils prodigue a pensé que la joie infinie c'était de, de partir dans le monde s'amuser comme il voulait et là il a découvert le malheur infini. Mais quand il est revenu à Jésus, quant à dire quand il est revenu chez son père, quand un homme revient à l'Évangile, quand je reviens à Jésus, alors je découvre qu'il est infini dans sa grandeur, dans sa grâce, dans son amour. Amen. Il est infini. Ça vaut la peine de nous tenir près de lui, de prendre le temps de me tenir près de lui. Seigneur Jésus, merci. Toi, tu as pris du temps pour venir avec nous. Notre Dieu, tu as pris du temps depuis bien longtemps, même quand je le... Regarde l'histoire d'Israël, tu n'as pas fini avec. Quand je vois l'histoire de l'Église, tu n'as pas fini avec. ne te continue de la préparer. Et Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour cette grâce sans cesse renouvelée de ta présence dans nos vies, Seigneur. Amen.